La paix, mon Dieu, avec nous. Ah, nous disons le Seigneur merci, nous sommes capables de la matin. Hein? Pour nous, nous sommes capables d'adorer lui en esprit et en vérité. Ah, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Luc. Chapitre 6, verset 38, un seul verset. Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Que le Seigneur qui a béni lecture ça pour édification nomme chacun de nous. Nous, comme sujet nous gagnons pour matin, hein? C'est le bonheur de donner et la joie de recevoir. C'est un bonheur qui est lié, les wabaye et vous rencontrez de la joie lorsque vous recevez. Dimanche qui était 6 septembre, nous avons terminé avec une série de messages que nous avons gagnés sur la prière. Et dans le dernier message que nous avons prêché, c'était la puissance de la prière. Et nous avons vu que dans le message, ça, la prière a puissance pour les jours difficiles. Et deuxièmement, la prière bah, la paix dans le temps troublé. Et la prière, troisièmement, bah, protection contre attaque ennemie. Je dis, ah, comme nous sommes dit à l'heure, nous avons comme sujet le bonheur de donner et la joie de recevoir. Bah, pour tes bonnets et recevoir. Porter la joie. Dans le sujet, ça, il y a quatre mots importants. C'est bonheur, donner, joie et recevoir. Nous, le bonheur, lié associé à donner et joie, lié associé à recevoir. Pas gain bonheur sans donner. Donc, vous n'avez pas besoin de bonheur sans qu'on ne baille. Et nous, la joie aussi est associée à recevoir. Et pas gain joie sans recevoir. Je dis à gain un pile monde qui aime recevoir, mais il n'y a pas aimé baille. Ben, le bonheur. Lui signifie son état parfait de satisfaction. Parce que l'on baille ou éprouve une sorte de satisfaction intérieure. Ce n'est pas une satisfaction extérieure, mais une satisfaction intérieure. Car on a possédé un pile bien, un pile bagaille matériel, mais on n'est pas heureux. Donc le bonheur, synonyme de bonheur, nous joint bien-être, prospérité, satisfaction. Et le verbe donner signifie faire des dons, procurer à un monde, fournir des choses à un monde, sacrifier, partager. Tout ça, c'est donner. Tandis que la joie, son vive expression de plaisir
qu'on éprouvait de un bien qu'on possédait. Et synonyme de joie, c'est allégresse, c'est gaieté, contentement. Recevoir, lui-même, c'est accepter, c'est prendre ce qui est offert, ce qui est donné, ce qui est envoyé. Parfois, le plus souvent, on a voulu faire des choses, mais pas recevoir des choses. Donc, recevoir, c'est accepter des choses. C'est prendre ce que vous offrez, ce que vous avez, ce que vous voyez. Recevoir aussi, c'est donner accès à la caille. Lorsqu'on accueille les gens, lorsqu'on admet les gens, on recevoir les gens. Combien de fois, bon Dieu fait nous offre, mais nous refusons de recevoir offre. Nous refusons d'accepter. Bon Dieu, il y a une seule petite pour qu'il nous donne la vie, mais combien de nous qui acceptent don ça, qui bon Dieu bail là. Nous vivons dans un monde en crise, mes bien-aimés. Dans un monde côté chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans un monde, c'est sauf qui peut. C'est dans un monde de compétition pour nous capables survivre ou dominer. Nager pour sortir. Nous voulons nous toutes pour nous, rien pour les autres. Toutes pour nous, rien pour les autres. Mais l'apôtre Paul, dans un message d'adieu qui était bail aux anciens d'Éphèse, lui dit dans Actes des Apôtres, chapitre 30, verset 35b, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédiction pour moun ka bail, parce que moun ka recevoir. Chrétien Jodia, yo senti yo fatigué tant de messages sous bail. Bye. Yo fatigué tant de messages. Mais plus belle bénédiction description de la vie chrétienne, c'est bye. Jean, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, bon Dieu si tellement aimé les hommes, li bye celle petite là pour yo. Tout le monde qui va mettre confiance yo dans lui. Pas perdu la vie, au contraire, il y a gain la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie chrétienne, ma bien-aimée, reposait sous bail. Christ bail la vie lui sous la croix pour nous capables de joindre le salut. L'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 2, verset 20b, la vie m'a mené dans comme kounia, m'a vivli dans confiance, moi gain dans petit bon Dieu, et a quitté même si tellement, li te rive bay la ville pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Les héros de la foi, mes bien-aimés, yo bay vie yo comme martyr. Lorsque nous lisons Hébreux, chapitre 11, verset 35 à 37, la parole de Dieu nous dit, des femmes recouvrèrent les morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent près de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Donc, Noé, qui ça la parole de Dieu dit nous? Les héros de la foi. Donc, ils baillent vie. Ils baillent vie de façon
pour non seulement vous capable sauver et vous être bien aussi pour les autres. Les chrétiens du 1er siècle, mes bien-aimés, ils étaient bien pour aider les autres dans le grand besoin. Suivant Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, la parole de Dieu nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. L'apôtre Paul, lui-même, lui dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7b, Dieu qui aime, Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon Dieu aime, moun qui baille, à quel content. Au cours de message, ça a matin, hein, nous, le bonheur de donner et la joie de recevoir, nous parlerons, premièrement, le Seigneur commandez-nous pour nous capables de bailler. Le Seigneur nous commande de donner. Deuxièmement, le Seigneur fait promesse à ceux qui donnent. Le Seigneur fait promesse à ceux qui baillent. Et troisièmement, le Seigneur récompense ceux qui donnent. Le Seigneur récompense ceux qui baillent. Le Seigneur commande nous, mes bien-aimés, pour nous baillent. C'est ça le dit dans Luc 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. Bye. Le verbe donner, le verbe commander, signifie ordonner, exiger. En d'autres termes, le Seigneur ordonne nous pour nous bailler. Le Seigneur exige nous pour nous bailler. Et commandement du Seigneur est clair. Luc 6, verset 38, donnez et il vous sera. Le verbe donner à l'impératif, c'est un ordre qu'il y a, un commandement. Faites ceci. Donnez. C'est un ordre. C'est un commandement. Donc, pas de option là-dedans. Pas de option ou bien accepter bail ou bien pas accepter bail. C'est un commandement. Donnez bail. C'est un ordre, son exigence de la part de Dieu. Et lorsqu'on baille, qui s'acrivait ou obéit à l'ordre du Seigneur. Et lorsqu'on pas baille tout, ou désobéit l'ordre du Seigneur. Et la Bible nous dit, toute désobéissance au Seigneur, c'est un péché. Dans d'autres termes, l'on refuse de bailler ou péché contre le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui dit où c'est pour bailler. Et lorsqu'on baille, mes bien-aimés, on n'a pas perdu son bail là. Mais au contraire, on gagne. Et on même gagne avec intérêt. Salomon dit dans Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Quand nous donnons, mes bien-aimés, nous suivons l'exemple de Christ. Lorsqu'on baille, on suit l'exemple de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Christ lui fait le pauvre pour nous, de façon pour nous capables riches. Yon l'église. Côté monde à bail, mes bien-aimés, si on l'église bénie. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44 à 47, mais qui s'écrivait? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44 à 47, qui ça la parole de Dieu dit? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple
Et ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et qui s'arrivait? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Où on l'église qui a baillé, mes bien-aimés, sont l'église qui bénit. Donner, mes bien-aimés, c'est un privilège qui est lié. Pour qu'on ait une position pour bail, ça veut dire te recevoir au préalable, pour te recevoir à l'avance. Parce que vous n'êtes pas capable de bail, sous pas gagner. Donc si mon Dieu bon de pour bail, ça dit qu'elle est déjà bas où. Et donner, mes bien-aimés, pas limiter seulement à l'argent. Car il y a plusieurs façons qu'on va bailler. Ou qu'on va bailler temps en tout, dans le travail bon Dieu. Ou qu'on va bailler énergie ou dans le travail bon Dieu. Ou qu'on va bailler attention dans le travail bon Dieu. Talent que bon Dieu a bailler ou qu'on va mettre au service de Dieu. Connaissance que bon Dieu a ou qu'on va mettre au service de Dieu. C'est bailler. En parlant des chrétiens de la Macédoine, nous sommes des frères annexés auparavant des chrétiens de la Macédoine. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul écrit dans la lettre qu'il a écrit aux chrétiens de Corinthe. Il a fait éloge des chrétiens de la Macédoine. Il a dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Oui, mes bien-aimés, lorsqu'on baille tête au Seigneur, n'en prend rien qui est au monde ou pas fait pour le Seigneur. Parce qu'on déjà baille tête ou déjà. Est-ce que l'apôtre Paul est capable de dire, même le Seigneur est capable de dire, même bagaille ça yo, pour les chrétiens de l'église et bénisait de Westbury? Est-ce que nous baillons même au-delà, ça que l'apôtre Paul dit, il n'y a pas même qui va espérer? Et auparavant, ils ont baillé peut-être pas. Je dis, il faut besoin dans l'église, faire travail, bon Dieu, pas de monde qui voulait bailler tête. Mais quand il y en a quoi, il y a une élection. Jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui dit, il a posé candidat pour tel bagaille, pour faire tel bagaille. Il n'y a pas disposé pour bailler tête dans le travail, bon Dieu. Mais si dans le cours, il pourrait faire l'argent. C'est ça qui intéresse à faire l'argent. Mais il n'y a pas de question de faire sacrifice pour bailler tête pour le travail de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, les chrétiens de la Macédoine, non seulement ils baillent au-delà de ça qu'ils possèdent, mais ils ne baillent pas peut-être pas. Je dis à les chrétiens, ils ne baillent pas tant. C'est ça qu'ils ne baillent pas tant. L'argent qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ne baillent pas tant. L'argent qu'ils ont fait. Ça paye pas de temps. Yo gen santé. Mais si yo pas de santé, yo ta gen temps. Si yo pas de travail, yo ta gen temps. Pour faire l'argent. Parfois, moun nan, même les, il t'arrive puis t'as fait travail. Il plus pas depuis faire un petit part-time, by overtime. Au lieu de temps, il t'a fait overtime puis t'as disposé. Yo pour ça, pas t'a mettre sous travail. Il pour qu'il te call pour puis vienne travailler. Mais alors, travail, bon Dieu, souffre. Est-ce que l'apôtre Paul, ou l'Éternel capable de dire même bagaille ça pour les chrétiens de l'église ébénézère de Westbury? Non seulement yo baille l'argent yo, mais yo baille tout corps yo pour le travail de Dieu. L'apôtre Paul dans verset ça il dit en créole, ça dépassait ça nous te croire en pile. Yo offri tête yo baille Seigneur avant. Après ça yo fri tête yo ban nous Jean bon Dieu vle là parce que d'abord au fri tête au Seigneur pas rien que pas faire on pour le Seigneur pas aucun sacrifice qui trop grand pour le Seigneur d'abord au monde au fri tête li pour Seigneur ou pas besoin forcer pour le faire rien li déjà connaît ça pour le faire. Ou pas besoin de forcer pour contribuer dans le travail, bon Dieu. Lui déjà connaît ça pour le faire. Parce qu'elle déjà baille tête li au Seigneur.
bah, mes bien-aimés, li bon pour la santé. Vous voyez? L'or bah, li bon pour la santé. Salomon dit dans Proverbe 11, verset 17, l'homme bon fait du bien à son âme. Vous entendez? L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Ouais. L'homme bail, ça la parole de Dieu, est bon pour la santé. Les ougen bon au cœur, c'est un bien ou fait pour propre tête ou. Mais monde qui sans pitié, c'est tête yo même yo fait tort. Sentiment de compassion, mes bien-aimés. Sentiment de bienveillance. Sentiment de bonté. Li pa kite place pour émotion négative. Lorsqu'on fait du bien, on fait du bien à propre tête pa ou. Et l'on baye encore, l'on baye son bagay qui contagieux. L'on baye ou encourager l'autre monde pour baye. Puis, il y a un suivre exemple. Ou pas qu'il dit monde pour baye alors que vous-même vous baye. Si vous voulez monde baye, ou même vous devez commencer par baye. En tout cas, soit prêché pour bas ou pas bas, ou sont hypocrites. Je dis en pile fois, n'a pas critiqué moun, ça moun fait, mais pour qui ça nous pas bas tête pas nous? Nous, ça moun n'a fait pas bon. Mais bas tête tout, puis bon. Mais ou plus la critiquer, ça moun n'a pas fait, et alors pas contribuer en rien. Si vous ne pouvez pas contribuer à rien, ça vous n'a fait, même si le pas bon, fait un bouchon. Parce qu'on ne pas contribuer à rien. Ou elle, ça le fait pas bon, mettez main dans la pâte pour faire le plus bon. Si vous ne pouvez pas faire le plus bon, ou pas besoin de rien. Car la parole de Dieu dit, les ou en mesure pour bail, pour aider l'autre monde, ça fait qu'elle est content. Donner et être heureux, marcher ensemble, vous marchez la main dans la main. Ou pas bail parce qu'on est heureux, mais ou heureux parce que vous bail. Anne, il te gagne un seul petit. Le jeune Samuel, il te prête à l'Éternel. Et l'Éternel, en retour, li baye Anne, cinq autres petites, deux filles et trois garçons. Qui nous joignent dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Le Seigneur, mes bien-aimés, lui fait promesse à moun qui baille. Jésus-Christ dit dans Luc 6, verset 38, donnez et il vous sera donné. Baille et bon Dieu va baou. Ça nous baille là, mes bien-aimés, à retourner en nous-mêmes, à bien jouer nous, comme nous dans le cadre Anne, cinq fois plus. Anne, en temps de crise, l'Éternel te rejeté la famille d'Élie. L'Éternel, Anne, te prêté le jeune Samuel à l'Éternel, dans ce service-là, temple-là. Et l'Éternel te remette lui cinq fois plus. De ça qu'elle était baille là. Donc ça nous baille après tourner à venir joindre nous cinq fois plus. Salomon dit dans Ecclésias
chapitre 11, verset 1er, fais bien sans garder derrière. Yon lè, comme ça, ou a joué une récompense. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donner, mes bien-aimés, c'est un investissement, qu'on fait pour le futur. Ce n'est pas un pet qu'on fait, leur bail. Au cas, c'est un investissement qu'on fait pour le futur. Donner, c'est un coup semer une semence. Car si vous pas semer ou pas récolter, c'est la loi de la récolte. Lorsque nous jouons dans Galates, chapitre 6, verset 7 à verset 9, qui sont la parole de Dieu nous dit. Galates chapitre 6, verset 7 à verset 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne le rachons pas. Donc, tenez ça la parole de Dieu. Moun qui sème si met, ti kras, va reconnaître ti kras. Moun qui sème en pile, va récolter en pile. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Moun ki si met tikras, va reconnaître tikras. Moun ki si met en pile, va récolter en pile. Ça, c'est la loi de la récolte. Gen en pile bénédiction, mes bien-aimés, pour yon l'église qui voyait un peu partout des missionnaires pour qu'a prêcher l'évangile. Et nan kapab di, c'est yon nan faiblesse. L'église Ebenezer de Westbury. Nous manquons de faire l'œuvre d'évangéliste. Nous dépensons l'argent pour toute bagaille. Mais nous payons un budget pour l'œuvre missionnaire. Nous avons besoin de dépenser l'argent pour toute belle bagaille. Mais quand on a pour l'œuvre missionnaire, fouillez carré pour qui budget nous gagnons. Pour l'œuvre missionnaire. Zéro. Le Seigneur récompense moun qui baille. Non seulement le Seigneur fait promesse, mais il garantit des récompenses à moun qui baille. Car le résultat de donner, c'est la réception en abondance. Leur bail ou bien pour recevoir. Parce que bon Dieu lui-même, toujours dans des mouns abdi, bon Dieu, pas jamais manger courage, moun, personne moun. Dans mon bail, surtout dans le travail, bon Dieu qui est pour répondre quand même. Et moun qui bail, il pour recevoir plus en retour de sa qu'on bail là. Nous, comme nous sommes tout à l'heure, Anne, en temps de crise sacerdotale, lorsque bon Dieu te rejeté la famille d'Eli, d'Eli mourit, depuis Dieu qui te veut remplacer dans sa sacerdoce, la mourit. Et c'est Samuel qui prend la relève. Et qui sait que le Seigneur fait? Il te recommence Anne 5 fois plus, il débaille 5 petites à la place de Samuel. Parce qu'elle te prit-il à l'Éternel. Celui qui prête à Dieu et qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde.
car bon Dieu a mesuré où avec mesure que vous même qui mesurez. Il y a un monde qui chiche, pas j'en progresse. Car plus vous donnez, plus vous recevez. En plus, une fois, vous avez gardé des gens qui travaillent. Il y a un gens qui travaillent qui fait plus d'argent parce que l'autre. La tue tête pour faire l'argent. Il fait l'argent vrai. Mais il n'est pas soucié de travail, bon Dieu. Et l'autre là, qui a fait moins l'argent, puisqu'elle investit dans le travail, bon Dieu, il fait plus de progrès parce que ça a fait plus l'argent. Parce qu'elle investit dans le travail, bon Dieu. Les gens qui investissent dans le travail, bon Dieu, ou pas jamais perdu. Au contraire, il fait progrès de jour en jour. Salomon dit dans Proverbe chapitre 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bénédiction bon Dieu, baille mon richesse. Ouais, qui ça baille mon richesse? Bénédiction bon Dieu, baille mon richesse. Ou te met travail dit ou pas qu'à mettre en rien sous lui. Pas travail dit, c'est vrai. On. Mon papa, bon Dieu, régler rien pour vous. Vous ne pouvez pas progresser. Vous ne pouvez pas faire un peu l'argent. Vous ne pouvez pas progresser. Parfois, comme ce doute, on a observé des mouns. Ils ont tout les têtes, à faire un peu l'argent. Mais ils n'ont pas le temps pour mon Dieu. Les regarder, ou pas ouais salifier avec tout l'argent qu'ils gagnent. Ils ne peuvent pas faire un peu le progrès. Parce qu'ils n'ont pas fait cas du travail, bon Dieu. Et l'autre là qui investit l'argent, qui investit temps, qui investit connaissance, qui investit talent dans le travail, bon Dieu, donc la affaire a marché de progrès en progrès. Parce que l'on investit dans le travail, bon Dieu, même malade ou pas malade, facile. Et même si tu arrives malade, bon Dieu, presse guérir ou de façon pour qu'on fasse l'ouange pour lui. Parce que bon Dieu va quitter dans ce l'argent mal dans le docteur. L'hôpital. Parce que l'argent là, il y a intérêt là-dedans. L'argent l'on protégé. Tout ça acheté avec l'argent là, il est bon. Il dure longtemps. Voler pas qu'à prendre l'argent où? Parce que bon Dieu gagne un pourcentage dans l'argent. Là. Bon Dieu va quitter voler prendre la mer où? Mais lorsque vous investissez dans le travail de bon Dieu, l'argent, vous pas investir temps, vous ne pouvez pas investir connaissance, vous ne pouvez pas investir talent, vous faites plus pète que vous gagnez. Vous pensez ça qu'on ne pas bailler là, l'après-église a fait, au contraire, vous faites plus pète parce que vous ne pouvez pas bailler ça, vous bailler là. Vous achetez des bagailles là, les bagailles là pas bon. Vous achetez un lot, les bagailles là pas durer longtemps. Vous dépensez sans garder derrière, ou pas joindre bon résultat parce que ou pas investi dans le travail, bon Dieu. Gagné un prédicateur de l'évangile qui dit s'ouvre le connaît, secret qui n'en baille, c'est pour baille. Car c'est gagné un bail, gagné un peu le secret. Mais pour vous le connaît, secret qui n'en baille, c'est pour baille. Oui, mes bien-aimés, il y a un peu de bénédiction. Bon Dieu, baille mon richesse. Alors, ce qu'on baille. Parce que bon Dieu, se source de toute bénédiction, abondance, santé, c'est bon Dieu qui baille ça. Fertilité, c'est bon Dieu qui baille ça. La paix, c'est bon Dieu qui baille ça. Le repos, c'est bon Dieu qui baille ça. Et lorsqu'on baille dans le travail, bon Dieu, on a besoin de toute bagaille ça. On a besoin de la paix, on a besoin de la santé, on a besoin de la fertilité, on a besoin de le repos pour Namon. Mais bien-aimés, bon Dieu commandez-nous pour nous bailler. Bon Dieu ordonnez-nous pour nous bailler. Bon Dieu exigez-nous pour nous bailler. On apprend nous à bailler de façon pour nous être heureux. Et on apprend aussi à recevoir pour être dans la joie. On pense à mon Dieu qui a souffert, à ça dans la peine, ça dans le besoin.
Car non seulement mon Dieu promet, mais il récompense monde qui baille avec joie. Pas oublier aussi, ça, Salomon dit nous, dans Proverbe 11, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. En créole, il dit, les ou baille à quel content, ou pas jamais manquer rien. Les ou mange à moun, ou pas jamais rete grand goût. Que le Seigneur a fait nous la grâce, que le Seigneur a béni nous. Amen.